Attendu dans la capitale congolaise, où certains fils et filles de la veuve s'impatientaient pour rendre un dernier hommage à leur frère de lumière, mort en France dans des circonstances troubles et douteuses, le déquijus de l'ancien ministre Martin Parfait Aimé Kusuma Vungu n'a pas pu être embarqué pour des raisons non dites, selon notre source bien introduite au sein du régime du tyran Denis Sassou Nguesso. Tout avait été préparé, pas pour une cérémonie du rite écossais ancien et accepté, à l'ombre des regards des non-initiés à l'aéroport de Mayamaya et au mausolée de Debraza. La mort de ce natif Vili nous révèle l'ampleur de la capturation de l'appareil de l'État par un groupuscule d'hommes et de femmes inféodés aux sociétés initiatiques occidentales. Au Congo, comme dans plusieurs pays africains, notamment colonisés par la France, pour assumer des fonctions d'État, mieux vaut être un franc-maçon corrompu qu'un intellectuel bien cousu. Martin Parfait Aimé Kusuma Vungu n'avait pas échappé à la règle. Vanité de vanité, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Gardez la foi en Dieu créateur, le Congo ne deviendra jamais, je dis bien jamais, la demeure des esprits ténébreux. À bon entendeur, salut.